J'ai choisi le viaduc des Arts parce que dès le début, c'était un lieu prestigieux. Je m'appelle Annette Douai et je suis directrice de l'atelier du temps passé. L'atelier du temps passé est un atelier où l'on restaure les œuvres d'art. Ça peut être des tableaux, ça peut être des œuvres sur papier, ça peut être également des cadres anciens ou toutes sortes d'objets composites concernant l'art contemporain ou encore les sculptures peintes. C'est un ensemble architectural très intéressant qui permet à des artisans, en tout cas au départ avec des artisans, de pouvoir s'installer dans ces voûtes qui sont particulièrement spacieuses, lumineuses et formidablement orientées. Un endroit que j'affectionne particulièrement pour les soirées, c'est le Pop-up Label, rue Abel, où non seulement il y a le restaurant à l'étage, mais aussi au sous-sol, vous avez une salle de concert. Alors c'est de la musique, ça va du pop au rap. La meilleure terrasse que je recommande, c'est celle qui est en face de chez nous, juste en face de ce restaurant qui s'appelle Les Botanistes, et ils ont une terrasse magnifique qui est exposée au sud-ouest à toute heure du moment de la journée. C'est une terrasse large, spacieuse, verdoyante et calme. Alors, collaboration au sein du Viaduc des Arts, bien sûr, il y a de nombreux artisans, mais je recommande particulièrement celle que nous faisons avec le Cadre d'Or, où Timour Varichon, qui a repris la suite de son père, fait des socles absolument formidables. Je pense au parurier Ferrandi, qui crée des bijoux, des parures, comme on dit, qui sont absolument éclatantes et d'une qualité irréprochable.